Bonjour, bienvenue au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Je m'appelle Catherine, voici Brian et je suis ici avec nos amis Tyler et Abby. Et aujourd'hui, nous allons faire des circuits électriques avec la pâte à modeler. Aujourd'hui, nous allons créer des circuits électriques très simples en utilisant deux types de pâtes. Une des pâtes va agir comme un fil électrique et la seconde va empêcher l'électricité de circuler. Pour fabriquer la pâte conductrice, vous aurez besoin de farine, de sel, d'huile végétale, de poudre à pâte, de l'eau et du colorant alimentaire. L'ingrédient spécial qui rend la pâte conductrice est le sel. Quand le sel est dissous dans l'eau, les molécules se libèrent en particules positives et négatives appelées ions. Et ce sont ces ions qui font circuler l'électricité. Pour fabriquer la pâte isolante, vous aurez besoin de farine, de sucre, d'huile végétale et de l'eau. Dans la pâte isolante, le sucre dissous dans l'eau ne libère aucun ion, contrairement au sel. Les molécules restent donc neutres et ne peuvent pas conduire l'électricité. OK, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va allumer l'ampoule. Pour allumer l'ampoule, il faut créer un circuit électrique. Et on va créer notre circuit avec la pâte verte. Est-ce que vous pouvez me créer des boudins? On va faire des boudins et les boudins vont faire une piste de course dans laquelle l'électricité va traverser. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher la batterie ici avec nos fils électriques en pâte à modeler. Donc, on branche un côté, puis un autre. Et puis, on va mettre la lumière. Voyons si ça fonctionne. Hey, voilà! Fantastique! Lorsque vous créez vos circuits électriques, n'oubliez pas de laisser libre cours à votre imagination. Tant que vos circuits sont complets, votre expérience sera couronnée de succès.